tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, c'est moi qui commence le vlog parce que d'aller chercher un truc, parce qu'on a oublié un truc. Là, on va vous faire un vlog. On va vous faire un vlog de notre journée, comme d'habitude en fait. Astrid, elle est revenue de Londres pour son événement avec Lush. Du coup, voilà, on va aller à la boîte postale pour aller récupérer et envoyer ses colis. Si vous voulez le site d'Astrid, bah, ce sera en barre d'infos. Il est actuellement 15h17 et on va aller manger parce qu'on n'a pas mangé, on a trop faim. Là, nous sommes au McDo, je suis avec Amandine. Voilà, elle a vlogué tout à l'heure, donc vous savez qu'elle est là. On a hyper faim, donc je suis allée à la boîte postale, à la poste et tout. Et là, il est 14h, 15h, non, il est 15h, il est 16h même. Et on va manger parce qu'on n'a toujours pas mangé. Je suis bien rentrée de Londres avant-hier, c'était hyper bien. J'ai toujours pas fait le montage, donc je vais le faire tout à l'heure. Enfin, ce soir. Et voilà, aujourd'hui c'est journée avec Amandine. On a pris un Big Mac, un filet au fish, des nuggets et voilà. Ah, j'ai tellement faim, je te jure, j'en peux plus là. Je vais montrer ça à Amélie, elle va être jalouse. But where is the cheese? Sur le côté. Moi je rigole pas avec ça, hein. J'aime pas donc. Bon app. J'ai mal au ventre. On a trop à manger. Là, nous avons fini de manger. On a trop mangé. Donc, on va aller au centre pour. Je vais aller changer des pantalons parce que ils me vont pas. Donc là, on est au centre commercial. Bon, on va déposer les trucs Zara après. Mais on vient de voir plein de gens avec des sacs Primark. Donc là, franchement, il n'y a pas intérêt de dire que c'est fermé. Depuis le temps qu'on attend. C'est Amandine là. Les cheveux longs, encore plus longs qu'avant, j'ai l'impression. Bon, là on va aller à Primark, je sais pas si vous m'entendez parce que là la musique je ne comprends pas. L'ouverture Primark, c'est beau, dirait on est en reçoit là. Ouais grave. T'es prête Amandine à tout acheter que des paquets de chaussettes? On va acheter que des chaussettes, que des élastiques. Ouais. Donc là on est à l'intérieur du Primark, donc ils nous ont donné une bouteille, je vous montrerai tout à l'heure, une bouteille d'eau. Au cas où si... Trop stylé. Attendez, il y a des kimonos. Moi je veux des kimonos. Mais ça va, il n'y a pas trop de monde. Enfin, il est grand en fait, le Primark. Il est très très. Il est sur plusieurs étages. Bon bah, comme prévu, on achète des. On achète des chaussettes. Des chaussettes. On prend plein de couleurs ou pas? Vas-y. C'est pratique aussi. Non, pas les couleurs, c'est moche. Que des noires et des blanches. Hein, prends que des noires. Bah, enlève l'autre. Mais si, ça change ça des fois, non? Quand t'as des chaussures claires, vas-y, je prends ça. Il y a plus de blanches. Elles ont été trop vendues, je crois. Ouais, je crois aussi. Bon. Il y a plein de sous-vêtements et tout, il y a genre tous les modèles. La dame nous a expliqué, elle était grave gentille. Mais il y a des tailles aussi, on voulait regarder. Bah, il y a des produits pour les cheveux et tout, c'est des sprays texturisants pour onduler les cheveux. Comme le truc Bumble and Bumble, je l'avais présenté dans mes favoris. Je sais pas, j'ai envie de tester. C'est à la noix de coco et au bambou. Et ça c'est quoi? Ah, c'est pareil. Ah non, ça c'est... pour mettre avant les fers chauds et tout. T'as vu, il y a des shampoings bâtis. C'est stylé. Ouais. Ah, tu peux sentir pour voir si ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Ça sent bon? Mm-hmm. Ouais, j'avoue, ça sent bon. Il y a tellement de trucs. Avec Amandine, on va acheter plein de trucs, on va vous faire un haul, je crois. Depuis le temps qu'on attend. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de nouveaux trucs, en fait. Ouais. Mais regardez, il y a tellement de trucs. Vous avez fait un crash test de quelques trucs, c'était plutôt pas mal. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres rouges à lèvres mat. Du coup, là, on est au Primark du Val d'Europe. Si jamais vous êtes intéressé. Non mais il y a trop de trucs, genre trop mignons, mais... Ah bah ça j'en ai besoin. C'est pas très cher, 1€ franchement. Rose powder. Ah, j'aime bien les paquets de mouchoirs comme ça. Mettre dans son sac. Ah non mais c'est trop beau ça. Ouais, j'aime trop. Belle, hein. Je vais faire un crash test. Trop beau. Regardez comment ça brille. Mais je sais pas si vous allez voir. Oh my god. Il y a des rouges à lèvres là, mais je sais pas du tout si c'est mat. Ils disent rouge à lèvres liquide. Non, je crois pas que c'est mat. Mais ouais, comme je vous avais fait un crash test la dernière fois, ils étaient plutôt pas mal, ils étaient pas très chers en plus. Donc, il y a pas les rouges à lèvres mat qu'on avait avant. C'était pas ça. Ça? Ça cool. Ah, c'est quoi? C'est... Ah, c'est mat. Eh non, mais on va les tester, Amanda. Ouais, moi, je te le dis. C'est 4 euros. Il y a des métalliques. Non, ça va, il y a le crayon et le truc. Bon, on va tester ça. Ça a l'air pas mal. Regarde ça. Quoi? Des crèmes, genre.
Il me faut ça pour les voyages. Attends, c'est quoi ça? Métallique. Ah, c'est tout, c'est métallique. Mat. Il y a les violets aussi. Toi, tu mets du violet, toi? Oh, ça, c'est trop. Oh non, c'est métallique. Bon, bah, il reste plus que ça. Ouais, en fait. Ça? On prend les 4? Ah, oui, ouais, il est beau, lui. Il n'y a pas du marron, ah, je sais pas. C'est trop mignon, c'est un mini. Ouais, non, mais ça sert à rien en vrai. C'est épilé. Vas-y, prends-le, c'est pratique en plus. C'est pour mettre des lipsticks. Ouais. 10 euros. Ouais, c'est vrai que Sana, elle avait ça. Parce que moi, je vous jure, j'ai trop besoin d'un truc comme ça. Eh, hey, mais je monte pas ma tête depuis tout à l'heure, mais voilà. Mais moi, je veux ça. Est-ce qu'il y en a une? Non, elle est belle, elle, c'est 5 euros. Et ça va salir, non? On va faire en fait tout le magasin. Ouais. Et on va tout acheter en fait. Mais c'est ce que je vous ai montré dans mes favoris. Et bah, je sais pas c'est quoi. Je crois que c'est pour les mains. Si c'est pour les mains, j'ai trop envie. Hein? Sans parfum et sans parabène. Hein? C'est pour ouais. Les mais ça, c'est quoi? Je veux savoir si c'est pour des lingettes pour les mains. Mais nous, on avait ça quand on était petites, à Street. Mais c'est trop mignon. Moi, je crois que je vais en prendre un. Non, mais ils disent pas ce que c'est, ça. Bah, prends-le quand même. Je veux savoir ce que c'est, si c'est pour les mains. Je ne comprends pas. Regardez comment c'est trop beau. Ah, c'est il y a des paillettes. Tu veux ça? C'est beau. Non. Je vais accrocher à mon sac, ce serait beau. Ouais. Mais il est pas assez fluffy. Ouais, j'avoue. Il est trop beau, ce sac. Oh, je le trouve trop beau. Ça, c'est très beau, mais en fait, quand je regarde près, non, pas trop. Moi, il me faut une casquette aussi. I need some casquette. Yeah. J'en ai une, si tu veux. Non, c'est pour les vacances. C'est beau, ça. Mais ouais. Allons voir. Tu veux des Valentino? Genre, tu reconnais. Mais j'avoue, ça ressemble grave à Valentino. Mais j'ai le même H&M, je l'ai payé 40 euros, wesh. Après, j'espère que ça taille bien, genre au niveau de là. Moi, je veux lui. Je veux ça, moi. Il a l'air beaucoup de moins bonne qualité que celui que j'ai pris à truc. Mais le noir ou le beige? J'avais le noir. Oh, ça, c'est beau, ça. La matière, elle est douce. J'aime bien. À la fin, tout le monde sera habillé pareil, je pense. Oh, c'est trop beau, ça. Non? 15 euros. Pas cher. On est dans l'ascenseur et en fait, on montait dans le deuxième étage. Mais j'arrivais pas à sortir la caméra de mon sac. Il fait des trucs bizarres. C'est bon. Bon, là, c'est les chaussures. On va acheter plein de chaussures. Noir. Extra large. J'avoue, ça irait avec ta jambe. Moi, du coup, bah... Le noir, c'est avec ma chambre. Ouais. Eh bien, prends les chaussures à talons. Moi, je veux lui. Non, j'ai trop de chaussures à talons, j'ai la flemme. Mais t'as plus de place. J'ai plus de place. Attends. Bah, je fais comment Bah, mets dans mon sac. Non, t'inquiète. Bah, je peux plus vlogger, les gars. Hein. Je suis désolée. Bah, c'est mais... soit l'un, soit l'autre. On fera un haul. Ouais, on fera un haul tout à l'heure. Donc, on est sorti du Primark et comment vous dire? On n'en peut plus. Ah, j'ai trop mal au bras. On a pris trop de choses. Elle en peut plus. Tout le monde qui nous regarde trop chelou. Grave, grave. Max. Oh non, trop d'efforts. Donc nous sommes rentrés, il y a Amélie qui est à la maison. Elle rentre des cours. Alors ensuite elle va me commander mon livre parce qu'elle a Amazon Premium. Elle n'est pas un lancement de produit, mais voilà. Et du coup il faisait grave chaud et je voulais échanger mes... Bon, en fait à force de porter des trucs, je voulais échanger mes pantalons mais j'avais trop la flemme. C'était les pantalons de la dernière fois. Paris elle est dégueulasse, genre elle a un goût de cristalline. Elle est mais j'ai vu toutes mes potes, ils avaient des barbes à papa. Ouais, il y avait une queue énorme. Donc, crash test, bouteille d'eau Primark. Pour quand t'as soif, quoi. C'est pas bon. Bah, toute, si Amélie, elle a dit que c'était pas bon. On dirait de la Vittel, quoi. Ouais, de la Vittel. Non, de la Volvic. La Vittel, c'est bon. Ah oui. Non, j'aime bien, moi. Donc, ma prochaine vidéo, du coup, bah, je pense que ce sera un haul Primark. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, je suis rentrée de Londres avant-hier. Donc, en fait, j'étais à Londres pour Lush. Donc, c'est Lush qui m'a invitée. Et bah, j'ai pu inviter Gaëtan. Donc, c'était hyper cool. C'était trop bien. Donc, en fait, ça, c'est la boîte de Too Faced que j'avais reçue. Où j'avais reçu tous les highlighters et tout ça, les bronzers et tout. Du coup, j'avais plus du tout de place pour mettre mes produits Lush. Alors j'ai pris ça et bah, y a tous mes produits Lush dedans. Là il y a des boules de bain, des pains moussants, des gommages, des masques, des trucs pour les cheveux et tout. Alors je suis rentrée à la maison, enfin dès que j'ai ouvert la porte ça sentait le Lush dans toute la maison. Donc voilà, ça sent vraiment très bon. C'est vrai que ça sent très fort. Et on a pris un truc aussi pour Flo parce qu'on sait qu'il aime bien ces trucs là. Donc on a pris une boule de bain en hand spinner comme ça.
Donc peut-être qu'il sera content, hein, même si je pense qu'il fait pas de bain, mais bref. Donc ce matin, j'ai reçu un petit colis de Sephora. Ah voilà, trop joli. J'étais hyper contente quand j'ai ouvert le colis, j'étais choquée. Donc en fait, c'est un colis Huda Beauty. Je suis vraiment contente, donc merci Sephora. Et Huda Beauty, du coup, donc là, il y a une petite photo d'Huda. Et des nouveautés, donc ça, c'est un set de mini liquide mat avec un lip contour. Elle est trop belle, je trouve. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc ça, c'est le set Spice Girl and Venus. Ensuite, il y a la 3D Highlighter Palette. Elle est trop jolie. C'est trop trop beau. Et regardez le packaging. Regardez. Elle a du highlighter sur le visage. Ensuite, il y a deux kits de fossiles. J'avais trop envie de tester les fossiles Huda, j'ai failli en acheter. Donc ça, c'est les Samantha. Enfin, la dernière fois, j'en ai mis des fossiles et c'était super joli. Voilà, les Samantha et les Sacha. Donc voilà, désolé pour mon ongle, hein, vraiment, voilà. Donc voilà les petits fossiles. Donc ensuite, nous avons deux mats, et deux métalliques et un crayon. Donc le premier, c'est le Bombshell. Ensuite... celui-là, c'est le Trophy Wife. En plus, je suis hyper contente parce que mon préféré des rouges à lèvres en couleur, c'est le Trendsetter. Je l'utilise tout le temps, il est trop beau. Je l'ai racheté en deux fois. C'est le métallique, donc c'est le Snobby, qui est hyper beau. Et le Moody, qui est un violet très très joli. Et les crayons Huda, j'ai jamais utilisé non plus. C'est la couleur Muse, donc je suis hyper contente. J'ai hâte de tester les produits, donc voilà. Merci Sephora et Huda Beauty, je suis hyper contente, j'ai hâte de tester. Donc là je suis en train de tester les Huda Beauty, donc les produits. Donc les deux de droite, ce sont les mattes, donc celui du milieu c'est le Trophy Wife et celui de droite c'est le... c'est le deuxième mat, il s'appelle comment? Attends, de mémoire. Bombshell. Ouais. C'est celui-là? Bombshell. Tu penses? Ouais, je pense. Attends, vas-y, vérifie. Ça me dit quelque chose. Je vais regarder. Trophy Wife et... si j'ai bonne... ah si, ouais, j'ai bonne mémoire. Et celui de gauche, c'est Snobby. C'est un metallic gloss, mais oh, en vrai, il est vraiment trop beau. Enfin, caméra aussi, mais je trouve qu'en vrai, il est encore beaucoup plus joli. Et voilà, j'aime trop. Donc voilà, je voulais les tester. Franchement, il sèche super vite. Et ouais, trop bien. Hâte de tester surtout lui, là. Il m'intrigue. Donc voilà. Comme vous savez, ce tiroir-là, c'est un tiroir exprès pour les nouveautés. Donc tout ce qu'on m'envoie et tout, bah, je le mets là-dedans avant d'utiliser et tout. Mais ça, je pense que vous le savez, parce qu'à chaque fois, je le montre en fait. À chaque fois, vous me demandez un room tour, un rangement make-up et tout. À chaque fois, je dis oui et tout. Le problème, c'est que, enfin, je sais pas si je vous montre ça, ça dégoûte un peu, non? Je vous avais déjà montré mon rangement rouge à lèvres. Si vous ne l'avez jamais vu, bah, je vous la mets en barre d'infos. Bon, voilà, ça a pas changé, hein. Mais là, comme je commence à avoir d'autres rouges à lèvres, donc voilà, il faut que je trouve un moyen pour tout ranger, enfin bref. Et là, la catastrophe, c'est vraiment le bordel. Donc ça, c'est tous les produits que j'utilise, que j'ai déjà testés, que je suis en train de tester. Et oui, c'est vraiment très très bordélique. Désolée. Là, il est 22h46, je vais commencer à faire mon vlog. Donc tout à l'heure, j'étais à la salle de sport avec Gaëtan. Donc voilà, j'ai grave des cernes là, c'est ouf. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Dites-moi en commentaire. Enfin, j'ai vu un peu sur une de mes photos Instagram, parce que je vous ai demandé comment s'était passée votre rentrée. Et il y a plein de personnes qui m'ont dit oui, c'était grave nul et tout. Donc voilà, courage à tout le monde, même les personnes qui n'étaient pas en vacances. Voilà, courage à tout le monde, c'est la rentrée. Il y a plein de trucs à faire là d'ailleurs, même moi j'ai pas mal de choses à faire. Même si vous pensez que j'ai que des vidéos à faire. C'est pas le cas, il y a toujours plein de trucs à faire. Je vais répondre à mes mails, tout ça. Faire mes deux vlogs, donc celui d'avant et celui-ci que vous êtes en train de regarder. Je vais arrêter ce vlog maintenant. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.